Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Musée de la Pêche pour Cap sur les collections, consacré aujourd'hui à l'Arzent, un chalutier pêche arrière. On y va? Cette maquette du bateau l'Arzent a été offerte par des pêcheurs à Valéry Giscard d'Estaing, alors chef de l'État, lors de sa venue dans le Finistère Sud en 1977, séjour pendant lequel il affirme « La Bretagne est l'une des grandes chances de la France ». Le chef de l'État fera finalement don de cette maquette au musée de la pêche avant son retour à Paris. Exécutée par des marins avec du matériau de récupération, elle est assez grossière, ne reprenant pas les proportions exactes du bateau. L'Arzent, le Saint en breton, a été exploité de 1973 à 1994 par Toussaint Breton, patron pêcheur aguerri de Saint-Guénolé. Armé pour la pêche au thon l'été et l'automne, il partait l'hiver pour des campagnes de pêche au chalut. Cela se pratiquait alors beaucoup. Il est équipé d'un portique, belle innovation qui permet aux matelots d'être protégés des intempéries lorsqu'ils travaillent le poisson avant sa mise en cale. Le bateau poursuit sa carrière jusqu'en 2002 entre les mains d'un autre patron qui va l'armer d'un chalut de fond. Il pêchera entre 90 et 150 mètres de profondeur, notamment au sud de l'Irlande. Il traque la langoustine jusqu'à 8 tonnes lors des campagnes de pêche qui durent en moyenne 15 jours. Il finira finalement sa carrière en Afrique, en Côte d'Ivoire, où il sera peint en rouge et armé pour la pêche à la sardine. Les marins ivoiriens viendront eux-mêmes le chercher à Saint-Guénolé.